À la pause de midi, durant le festival, c'est plutôt agréable de rechercher un coin de fraîcheur et de verdure pour Joanne Raymond qui débarque de Genève. Pas le temps de consacrer une minute pour le repas. Dès 14h30, son spectacle démarre sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, le titre révélateur, Cendrillon mène le bal, veut tout dire. Entre humour, gags et jeux de scène, le public très enthousiaste suit avec beaucoup d'élan les recommandations de cette comédienne qui, durant les 5 jours de festival, a fait un véritable marathon burlesque. Oui, tout se passera bien. Comme ça, vous êtes en textile. Vous avez des usines un peu partout. C'est du spectacle tout public que je fais. Donc les gens peuvent venir en famille. Et puis ça parle, il y a toujours plusieurs degrés. Donc voilà, ça parle autant aux adultes qu'aux enfants. On ne rit pas forcément sur les mêmes choses. C'est du visuel, je parle en langage simple. Je raconte une histoire qu'on connaît. Donc on sait déjà un petit peu ce qui va venir, mais on se demande comment je vais le traiter. Donc c'est ça un peu l'intérêt de ces remakes de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Ça sert tous ces pigeons, hein ? Non, c'est dégueulasse ! Oh, trésor, cher Richard B. Oh, mais quel beau pays tu habites ! Oh, et je suis contente. Je peux enfin te présenter mes deux filles. Bonjour, papa! Bonjour, papa! Moi, c'est ta bête! Et moi, Anastasie! Et moi, c'est la vue la plus jolie! Non, c'est moi! Non, c'est moi! Non, c'est moi! Laissez votre père tranquille! Elle doit partir en voyage! Et nous ramener des cadeaux. Oh oui, des cadeaux. Alors moi, papa, j'aimerais une robe avec des perles partout, comme Madame de Bettencourt. Et moi, papounelle, j'aimerais une robe comme Lady Gaga. Magnifique. Je peux faire des castings qui sont un peu, qui fonctionnent un peu moins. Mais ce que je cherchais dans le regard, c'est l'œil qui pétille. Et je me dis, cette personne, elle va jouer le jeu. Elle va rentrer dans mon histoire où elle y est déjà. Donc du coup, elle va jouer quoi. Mais bon, ça arrive que je me trompe et ce n'est que de ma faute. Je peux pas dire c'est le mec qui joue mal ou tout ça. C'est moi qui génère ça. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même si je fais un mauvais casting. Faut peut-être demander de l'aide à tes amis. Oh, les pigeons. Je crois qu'ils sont là. Hein. Allez, mais faut se secouer les plumes un peu maintenant. Il en faut 4. 1, 2, 3. Les ados aussi, c'est bien. Pour arriver comme ça. Ouais, bien, ouais. Allez, 4. Allez, on se dépêche. L'aluminium, le papier. Et le plastique. Voilà, on se dépêche et nous les encourageons. Allez les pipis, allez les chansons, allez les pigeons. Allez les pipis, allez les chansons, allez les pigeons. Allez les pipis, allez les chansons, allez. Je fais du théâtre, je fais de la chanson, je fais plusieurs choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ma guitare sur ce spectacle. Je voulais aussi montrer que je savais aussi, j'avais aussi cette corde à mon arc. Et voilà, mais la rue, c'est vrai que c'est quelque chose de... Enfin, moi, dans ce qui m'intéresse à la rue, c'est le côté direct et c'est le côté on est vraiment avec le public. Il n'y a pas de quatrième mur, je ne suis pas dans une histoire, je ne suis pas sur scène, je suis vraiment au milieu d'eux. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a le côté aussi, ben, c'est aussi de pouvoir tout d'un coup aller jouer dans des lieux où les gens n'ont pas accès à la culture, ou n'y vont pas en tout cas, ou pour cause de moyens ou d'éloignement ou XY. Et puis, ben, c'est de pouvoir tout d'un coup se déplacer et de jouer sur un coin de place, dans une cour, dans un jardin. J'ai joué chez des gens, dans une cité. Enfin, voilà, c'est ce côté pluri-endroit, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment on veut dire. Aide-moi, si tu vas aller au bal, faut se dépêcher.
Bon. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais. T'as vu comme t'es fringué? Tu vas pas pouvoir y aller comme ça, c'est sûr, hein? Tu vas pas le faire. Oh, tu pleures. Bon, bah, pleure. Oh, elle pleure. Et comme elle pleure, et ben l'arbre, il grandit. Il grandit. On pleure encore, hein? Une histoire de fou, de la nuit avant le jour. Imagine une histoire de fou, réalité ou peu, devant vos yeux. Ok. Je tourne avec Blanche-Neige. Blanche-Neige a été créée en 2008. Et là, j'ai fait déjà plus de 200 représentations. Donc, celui-là est en working progress, on va dire. Tous les jours, ouais, il y a encore des. On est dans le travail. Tous les jours, je coupe des petites choses qui ne fonctionnent pas. Alors que le Blanche-Neige, il a quand même été. Il a bien bougé partout en France. Et c'est surtout avec celui-là que je tourne. En espérant que le deuxième va tourner aussi. Allez, bravo, voilà. Encore.